Bonjour ma petite pouboule. Comment ça va? Non mais hé. Franchement, j'espère qu'ils vont faire un truc pour le snipe. Ah puis en plus t'as un flinch de bâtard hein. Je sais pas s'il a un avantage pour lui. Le snipe. Ah vas-y, ta merde. Je pense que... Ouais, allez. Je sais pas quel jeu on va faire, mais ça va pas être regarde mon pote. Ah non. Salut Nerby. Ouais, salut Sky, comment ça va? Ouais, ça va bien, et toi, comment ça va? Ça va nickel, gros, ça fait longtemps. Ouais, bah ouais, enfin pas assez quoi, on pourrait dire, mais ouais, ouais, ouais. Bah alors, pas sur Vanguard? Non, non, ça m'a saoulé. Non mais effectivement, je veux dire, aujourd'hui, monter les camos sur... monter les armes sur Call of, c'est devenu un grind... destructeur. Il y a au final très peu de gens qui pourront le faire. Ils te forcent à jouer d'une façon et d'un style de jeu que t'as pas forcément envie de jouer. Et comme tu disais Norbit tout à l'heure, à l'époque, je veux dire, tu jouais un peu, tu montais les armes, le camouflage. Tu vois, c'était pas non plus... Voilà, tu vois, c'était tranquille. Aujourd'hui, c'est devenu comme le main truc, tu vois. Genre le jeu, s'amuser, ça existe plus. Maintenant, c'est limite te pourrir la vie avec des défis de merde qui prennent une éternité. C'est malsain, c'est super malsain. 70 niveaux, c'est énorme. Bah, c'est pas monter 70 niveaux qui est énorme, c'est le temps que ça prend qui est énorme. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'en soi, 70 niveaux, si par exemple tu le montes en une heure, ça va. Mais donc, 70 niveaux, c'est beaucoup trop long. Et puis même par rapport aux armes proposées, tu vois, ma pompe, quand je suis sur Vanguard, je me sens obligé de jouer à l'AR, par exemple, ou à la PM, tu vois. Jouer au snipe, ça me vient pas à l'esprit. Bien joué Sky. Ouais, il était paumé lui hein. Paumé. Bah, ok, les deux étaient paumés alors. Ok, encore un peu de sous. Ah bah on peut acheter, y'a des gars sur moi. Ok, j'arrive. Je les ai entendus dans un petit truc là. Il est temps. Bon, on va au shop derrière, viens au shop derrière plutôt. On peut acheter notre classe en vrai, on va pas se prendre la tête. Tiens, y'a une plaque si tu veux. Mettez un gilet. T'as beaucoup de black ou pas? Ah, je suis full moi. Ah ok, super. Ok, bon bah écoute, vas-y, on y va maintenant. Et honnêtement, moi je suis le premier à qui ça fait chier, hein, parce que j'avais vraiment envie de grind le jeu et tout, mais là... j'ai une vie aussi quoi, tu vois. Ça a aussi des nouveautés au mois de novembre, tu vois, tu veux aussi profiter un peu de tout quoi. Ouais, mais au-delà de ça, mais je veux dire... Bon, ok, je stream... J'ai le temps de jeu, j'ai un temps de jeu supérieur par rapport à beaucoup de gens, tu vois. Mais bon, à côté de ça, même là, c'est pas suffisant, quoi. Là, il a la tristesse du truc, hein. Ils sont pas dans ce bat, je vais voir derrière avec le capteur si je les capte. Faut pas looter ici, en tout cas. Hein. À 40... Ouais, niveau détente. Un break. L'autre était à gauche. J'ai fini ton kill. Je me plaque. L'autre était à gauche. Il s'est barré. J'ai galéré. Derrière moi, ça vient. Ok, le toit Komiko. Break. Mort. Ok, bien joué. Il y a des gars sur moi. Je monte à la tiro. Mais mec, ils sont paumés les types. Mais regarde, niveau 8 et tout, le gars, il découvre le jeu, c'est pas possible. C'est quoi ce délire? Et que t'as mis un VPN ou bien? Non, je suis serveur Europe, mais j'ai pas de VPN moi. T'es sur le serveur Europe, le serveur avec les mecs les plus forts au monde. Non. Ouais, je t'assure. Je crois pas. Serveur Europe, généralement, c'est les mecs les plus forts au monde. Après, on va dire que tous les tryhards, ils sont sur Vanguard. Zone géographique Nantes, Pays de la Loire. C'est là qu'il faut venir en fait, hein. C'est marqué sur mon truc. T'as sur qui? Bah là, les deux gars, ils sont crack. Ah oui. Frappe dispersion. Frappe
T'inquiète pas, je m'en occupe, j'ai le bon spot. Attends, je crois que son équipe a les mecs Nakatomi. Ouais, Nakatomi, son baiser. Il a sauté Nakatomi. Victime repérée. Un vieux Sky. Ouais, lui il est arrivé sur moi en l'air. Un touché shield. Les deux à terre. Ok, nice. Bon skill. Pas from dark, oh. C'est bon, j'ai eu les deux. C'était des Allemands. Il y avait 20 dons farfo. Un truc comme ça. En plus, moi j'ai fait la campagne de Vanguard, du coup je maîtrise bien l'allemand maintenant. Ouais ? Ah bah écoute, c'est pas. Super. Un interne à Katomi. Son pote est là, à peu près, point orange. Ok. Break shield, son pote, il a monté à tiro. Au point orange, tu dis ? Ah ouais. Mais tu sais que. Ils ont pas la zone aussi ? Non, ils ont pas la zone. Si ? Non. Ils vont devoir sauter. Ça a du tir au pigeon alors ? Exactement ! Là, le mec là, tu vois le point orange, il y a une fenêtre, j'ai knock ici. Mais il a dû ramper parce que son pote il a pris la tyrolienne tout en haut. Ah, je vais loot les deux zouaves là. Vas-y. Ils avaient sacoche, masque à gaz et boîte de mule. Si jamais. Ouais, c'était bien. Si jamais t'as besoin. Ouais. J'ai un peu de thune, franchement je pense une petite auto-aria ça serait. What ? Il est au-dessus de moi. Ils vont devoir jump là. Hein. Yes. Ah, il jump. Passe par la droite. Tu penses qu'on peut les cut ou pas ? Je sais pas. Je sais pas. Ah, ils sont partis tout derrière. Il y a une caisse en plus là. Laissez tomber. Nouveau plan. Prends un drone. Vas-y, go. Ah, ils sont au loin. Ah bah, ils sont devant moi en fait. Ils ont pris leur caisse. Je demande une rock. T'aurais dû te prendre une autoréa. Ouais. Allez, deux morts. Bien joué. Merci. Derrière, il y a deux gars dans le trou. La zone va push, hein. Ouais. Il y a du monde. Ah, mais putain, mais c'est pile poil bord zone en plus, ce truc. Attention, le gaz se rapproche. Ouais, ça va être mort. Mais il y a des gens en fait. Il y a des gens à l'hôpital. C'est risqué, mais on peut essayer. Mort. Bien joué. Le mec est au colis là, devant toi. Devant toi. Oh, derrière moi. Sur le toit ici là. Point orange, je m'autoréa. J'ai pas de vue, j'ai pas de vue. Il est à terre. Bien joué, super. Je m'autoréa et je me casse. Super la cover. Devant moi, devant moi, devant moi. Oh merde. Ah putain. Ah oh, le gars il. Putain, il suce la zone mais. Il suce la zone. Soit vous gagnez et vous repartez au combat, soit vous perdez et tout s'arrête ici. Vous y êtes, soldat. À vous de jouer maintenant. Bon, mon loot c'est mort. Y'a un gars sur toi, non ? Ouais. Il est break. Bon, il est à point orange. Putain, dommage. Voilà. Le mec il est venu dans la zone pour me finir. Ouais, mais c'est le mec qui m'a, c'est le même qui m'a buté. Hein. Le mec, je veux dire que la zone, il doit avoir une zone de restriction. Il dit, moi, je suis jamais à moins de 5 mètres de la zone. Oui, il y a du stuff là. J'ai eu un shoot au magnum horrible. Ça dit quoi sur toi, Sky ? J'ai vu un gars passer, mais je vois du stuff aussi. Ok, je peux venir du coup ? Attends. Oui, je crois. Il est break là, ici.
go, nice. Merci. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir s'acheter une caisse, mon petit pote. Ils avaient un stuff horrible. Ah ouais, bah écoute. Véhicule au loin. Il y a pas un shop là? Ah oui. Le camion, il a drop. TV. TV. Et les shops, c'est pareil. T'es au courant du bug ou pas? Non. En gros, au tout début, alors je sais pas si ça a été réglé ou pas entre temps, mais hier il était encore là. Au tout début de la game, quand tu vas ouvrir ta carte, il y aura zéro shop sur la map. C'est-à-dire que tu vas spawner un endroit, tu sais pas s'il y aura un shop. Ah, on est traqué orange. Et au final, ils apparaissent au fur et à mesure de la game, genre. Et il y en a beaucoup moins qu'avant, aussi, j'ai l'impression. Gaz, on approche. Nouvelle zone de sécurité. Je pense que c'est les mecs du Camtar. Eh, on peut pas acheter la caisse, t'as pas de thune en fait. Stop là. Oh, derrière moi. Point orange à peu près. Ouais, ils sont. Il y a un mec sur mon loot. God doesn't know you fucking little rat, why did you st- Ok. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Hein. Nice, merci beaucoup. Mais on va dire que la parade a carré. Hein. Ah, il me vise. Tu peux spawn sur mon loot ou pas? Ouais. Il me rush. Ok, j'arrive. Putain, mais le changement d'arme trop long. Il se fait ma rap. T'as de la thune. Devant toi. Attends. Masque en or et tout là. Ouais. C'est pas un bug, le truc du shop, c'est volontaire, c'est pour inciter les gens à plus sortir de leur batte. Ah ok. Peut-être. Tu penses que Pacific va faire un flop avec Vanguard? Non, pas particulièrement. Mais je pense que c'est surtout les nouvelles armes et tout qui peuvent désespérer les gens quoi. À voir l'équilibrage qu'ils vont faire mec, parce qu'il suffit qu'il y ait 2-3 armes vraiment cheatées qui sortent du lot et l'expérience va être pourrie hein, tu le sais. Il y a un mec qui pique là. Repère placé. Laissez tomber. Nouveau plan. Ah non, c'est une porte rouge qui est tombée. Ah ok. Et ça sert à quoi les portes rouges qui tombent en fait? Ah, t'as un loot là. Il vient de tuer un gars. Sur le toit? Non, il est en bas. À l'entrée du parking. Et les portes rouges, c'est juste ça tombe et elles se détruisent en bas, c'est. Esthétique comme quoi. Une petite interaction quoi. Ouais, voilà. On me tire dessus. T'as un info? Ah, ok, vu. Ouais, bah. J'ai un loot en bas, tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah, je sais pas, j'ai tué un gars. Je sais pas ce qu'il avait moi. Bah, il avait il avait le pistolet de base. Y'a un gars là. Ah merde. Je place un. Je lance. Y'a un mec en dessous de moi ou au-dessus de moi? Y'a littéralement zéro arme. À côté de moi. Ici t'as un loot là. Sur moi. Il est pas là. J'arrive. Il était en silence de mort. Il savait que j'étais là. Bon, pas de la para, apparemment ça a rien fait. Hein. Il s'en est battu un peu les couilles. Bon, au moins tu peux réa, et il y a du loot. Donc tant mieux. Bon courage. Merci. Ils te rush ou ils s'en battent les couilles? Non, ils s'en battent les couilles. C'est toi qui leur tire dessus? Non, c'est les mecs sur le toit à l'aéroport. Ah du coup t'as double loot maintenant, t'as là. Et t'as le mec que j'ai tué là. T'as sacoche, masque, XM4, K31. Ok, cool. Il est sur le toit. Hein. Ennemi au-dessus. Tu notes que j'ai une frappe. Bah il est mort instant. J'avais mis une balle, c'est tout. On va aller le loot le petit lapin. Vas-y go. Le gaz arrive. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. J'ai laissé mon argent sur la tyrolienne. Une seule dessus.
Ok, on m'a tiré dessus, ça vient du stade. Du parking, au lendemain il y a deux secondes. Oh quoi? Ok, je suis safe. Et j'ai crack shield le mec en bas. Attends. Mine anti-char armé. Y'a plus qu'à attendre. Surveille. Bien le voir à Kikam, ça a l'air d'être stylé ce qu'il a mis. Merci. Fais gaffe, il a un bon shoot au snipe. Hein. Capteurs, ils sont juste en dessous de moi. Et y'a du monde au top avec nous. Je suis touché. J'ai sauté. Un à terre. Je peux monter la tyran? Attends, il en reste un normalement. Oui, mais t'es devant? Eh, t'as le ma. Ah ouais, attends. Bah, attends, je saute, de toute façon, ils vont devoir sortir. Mort les deux. Bien joué. Merci. Il est crack. Pas encore. Toi, tu vas mourir à l'acte suivant. Nice. Il avait la M13. Ils avaient tous le viseur. À droite, il y a du mouvement, j'ai l'impression. Véhicule ennemi repéré. Crac. Il a drop. À gauche, là-haut. Victime repérée. Dans la tour, il y a un mec aussi. Merde. Je me suis fait toucher. C'est bon, je suis safe. À cover ou pas? Ouais. Un mec dans les airs. Un mec en bas aussi. Hein. Thank you. Je vais me mettre dans le... dans le tunnel pour l'instant. Pour être à cover. Vas-y. Comme ça, je serai moins vu parce que je suis dans l'obscurité. Avec le ping, je galère encore un peu. Un à terre sur moi. Derrière. Sécurité. Je me shield. Je suis coriace. T'es vraiment dans la merde. Bah ouais. Non, j'ai trop mal joué. Ah, j'ai trop mal joué à la fin. Triomphez de vos ennemis. T'avais quoi comme streak? Comme streak, j'avais pas grand chose moi. Streak. Ah, streak, j'avais une frappe. Servir à quelqu'un? Y'a un gars au-dessus de moi en plus. Demande de tir sur ma cible. Ici Striker 3-1, bien reçu. Frappe imminente. Le gaz se rapproche. Avac, mais raté. Elle revient sur toi. Allez! Oh, let's go! La clutch? Nice! Let's go! T'as pas première game, mon pote! Yes! Il est de retour en sans Warzone! Pour tous les niquer! Let's go! Oh, t'as géré à la fin, mec. Hein. Mais heureusement que j'ai le masque en or. Ouais, grave. J'ai attendu au max avec le masque en or parce que je savais que les deux autres en haut devaient bouger. Ouais. Si j'avais bougé au début, c'était mort quoi. À la fin, j'ai tellement fait des mauvais choix moi. Et la position du pont, elle me stressait à mort, genre. Bah, en fait, on était comme des cons parce qu'il y avait des gars au-dessus de nous avec des gars dans la tour et il y avait des gars de l'autre côté. Donc nous, on pouvait pas vraiment prendre de place quoi. C'est clair. Donc ça fait plaisir. Ouh, fait plaisir, ouais, effectivement.
Et en plus avec 170 de ping.